La sécheresse des sols a de nombreux effets sur la végétation, en particulier donc sur l'agriculture, mais également sur le bâti. Alors c'est ce qu'on appelle le retrait-gonflement des argiles, qui sur les zones argileuses peut provoquer des dégâts sur les maisons individuelles. Les sécheresses peuvent avoir un impact sur l'accès à la nourriture, bien sûr, puisque si l'agriculture est impactée par la sécheresse, moins de nourriture est à disposition. Donc dans le futur, cela risque de devenir un problème. Et le retrait-gonflement des argiles, évidemment, a un effet important sur les risques assurantiels qui peuvent finir par peser assez lourdement sur les assurances. Les simulations de Météo France montrent que les sécheresses sont de plus en plus fréquentes. Tout le monde se souvient de 2003, mais depuis 2018, on assiste à un accroissement des sécheresses de ce type. Et l'année 2022, par exemple, a battu tous les records, puisqu'il y a eu une conjonction d'un déficit de précipitations et de vagues de chaleur.